Bonjour tout le monde, c'est Redon, j'espère que vous êtes super bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Pokémon Steam 2. Souvenez-vous, lors de l'épisode précédent, on a un peu plus avancé dans la progression de l'histoire d'Aizeria et il s'avère qu'il y aurait potentiellement un troisième Pokémon ultra puissant et qui confirme que Koryos et créatures viennent d'une autre dimension et que le troisième Pokémon surpuissant capable de battre Koryos et créatures s'appelle Nihil. Et nous sommes donc au château de Nihil. On a joué notre maman qui a une team plutôt bonne. Et là on joue notre père, donc techniquement le héros de Pokémon Steam 1. Clairement, on joue le perso de Pokémon Steam 1. Donc avec sa team, bien sûr. Kaido, il est là, Kaido, il est de retour. Mais c'est pas vraiment Kaido. Et il a la mémoire ball, bien sûr. Il y va la mémoire, hein, bien sûr. Et combat direct, parce que oui, j'ai fait tout le chemin en off pour être tranquille pour vous. On m'avait prévenu que des intrus étaient présents dans le château. Mais ça ne nous arrange pas. On est pourtant si près du but. Je dois à tout prix t'empêcher de me vaincre. J'espère que ça va bien se passer quand même, parce que là, en fait, je n'ai pas d'objet de soin, donc je suis obligé que de passer. Ouais, et les câbles. Ça passe là. Et les câbles est très tank. Il a des stats de merde, mais il est très très tank. Je fais ça, mais... Ah, ça marche bien. On est d'accord que poison ça marche aussi. Totalement. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Hein. Vas-y, je te bloque pas. Regarde, je te bloque absolument pas là. Dommage. Ah, hein, toi aussi? C'est marrant ça. Ah, bien joué. Je ne peux pas moi te blesser. Bah arrive ton alligator. Oh, le Karcha. Ouais, mais le poison il est là. C'est ce que je voulais. C'est pas grave. J'ai Pyrax. Et ça passe. En Goliath. Bourdon. Ouais, mais on s'en fout. Le poison. Le poison. Steelix. Le poison est pas présent, mais les dégâts ils sont là. Je lui fais très mal. Et ben j'y vais avec Dracolos. Ah, c'est ma défense et tout qui baisse. Ah ouais. Ouais, mais il se peut qu'il a l'évitation, ce bâtard. On va prendre Koryos. Fermeté, évidemment. Bonne vieille saloperie. Non! Le poison, ça ne marche pas sur lui! J'ai baissé ma vitesse, mais ça va lui mettre la max.
Oh. Oh, il s'est tué. Oh, il s'est tué tout seul. Ah, la lose. Après toutes ces années à entraîner mon équipe, je me fais battre 2 fois d'affilée. J'espère que pour nous, Karn ne s'est pas fait battre, sinon on est mal. Je vais activer l'interrupteur. Il reste notre chef, Mark. Il ne le fera pas dans la dentelle. Il va vous donner une leçon que vous méritez. Et on reprend moi. La porte centrale est ouverte. Et genre, je peux pas y aller là? Je peux pas y aller pour là pour le moment. Je suis sûr qu'ils sont là, les trucs. Genre. Ah. Ah, ça me ramène là? Ah merde. Oh la connerie. Ah la boulette. Je suis tombé volontairement, mais j'aurais pas dû. Je pensais pas que ça allait m'amener aussi bas. Ah la boulette, la tuile. Pas de bol. Ah. Bon. Bah, j'ai rien dit, alors on y va et on tombe pas. Surtout, on tombe pas. Ok, là, j'ai vu le truc. Ok, 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 ok. Ok, ah, là, il n'y a pas de rocher. Pour l'instant, ça va. Ok. Ah, on voit nos parents, on voit tout le monde. Coucou maman, coucou papa, je suis là. Bonjour. Un gamin. Je vois, je crois comprendre. Je vais vous dire que 3 dresseurs surpuissants étaient arrivés ici. Arne et Zéné ont dû perdre. Ça ne m'arrange pas du tout, ça. Je me nomme Dante. Je suis celui qui dirige la triade Nihil. Moi qui pensais être tranquille à Azuria, mais au final, ce n'est pas vraiment le cas. Tu m'as l'air d'être très fort comme dresseur, je me trompe. Même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir te vaincre. Pendant 5 longues années, je me suis exilé du reste du monde afin de perfectionner mon équipe. Je ne peux pas perdre contre le premier ennemi venu. Tu te demandes sûrement ce que je fais? Je te le dirai peut-être si tu parviens à me vaincre. Amène-toi, je t'attends pied ferme. Ok. Pyrax. Ouais. Coup critique. Sérieux là? Sortez un Darkrai là. Oh. Galeking. Méga Galeking. Ouh. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Je vais me soigner. Je le sens mal. Ok, il se brûle. Ah, merde.
peut faire le taf. Non. Ah non, Glou fait absolument pas le taf là. Mais pardon? Mais d'où il sort? Oh, god damn it. Oh. Là, c'est Gollum, là. T'es un con. Ouais, tu t'es un con. Donc, on a compris qu'il est... Dragon haut. Il blesse ? Il se blesse pas. Dommage. Mais Maya a tenu un coup, c'est bien. La saloperie ultime. Alors toi. J'avais pas hâte de te recroiser à nouveau. Allez, dégage. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça me ressemble pas. Faut que j'en finisse. Et oui. Ouais, faut que t'en finisses, faut que t'en finisses. Peut-être avec 7. En doute, je vais envoyer Grigri. Mais si l'autre il touche pas, c'est bon quoi. Et merde. Oh Grigri! Oh mon Grigri! Eh bah. D'accord, tu ne dois pas être n'importe qui. J'aurais dû mieux m'informer de ce qui s'est passé derrière moi dans le monde. Et là, nous voilà! Ce sont vous, les dresseurs qui ont vaincu Arn et Séné. Mais bon, ça ne change rien. Tu voulais savoir ce que je compte bien faire, c'est ça? Mon but est de capturer Nihil. Peu de personnes connaissent son existence. Mais est-ce vraiment un Pokémon? J'en doute fortement. C'est pour ça que cela que je veux voir de mes propres yeux. Voir celui qui ressemble terrorisé, malmené, coriace et créature. Pendant 5 longues années, j'ai alimenté un portail menant à son monde avec l'énergie de mes Pokémon. J'y suis arrivé. J'ai rassemblé suffisamment d'énergie pour relier nos deux mondes par un couloir dimensionnel. Je vais pouvoir voir cette entité de mes yeux. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Si les gens disent vrai, relier nos deux mondes reviendrait à condamner le nôtre. Et alors, ce monde m'a tellement fait souffrir que son sort ne m'importe plus du tout. Si Nihil se bat à mes côtés, je pourrais me venger de ce monde sans scrupule. Personne ne m'arrêtera. Il est temps pour moi de passer à l'action. Ah oui, d'accord. Si vous avez du cran et vous espérez pouvoir m'arrêter, osez me suivre. Nihil et moi nous attendons pied ferme. Mais pour cela, vous devrez trouver le moyen de rallumer le portail. Non, c'est pas possible. Le portail s'est refermé. Comment on va faire? On doit trouver le moyen de rassembler suffisamment d'énergie pour le rallumer? Attends, mais on la tient la solution. Et on raconte que nous a rapporté Jason mentionné que l'énergie du portail semblait semblable à celle que dégageait Corias et ses créatures. Mais oui, je te laisse faire, je suis sûr que ça va marcher. Corias, viens à moi. Corias, s'il te plaît, tu peux insuffler ton énergie dans cette pièce. On devrait pouvoir l'utiliser pour suivre Dante avant qu'il atteigne Nihil dans ce monde. J'imagine que tu n'as pas trop envie de revoir Nihil, si j'en crois les légendes. Mais on a vraiment besoin de toi. Incroyable. Merci Corias, tu peux te reposer. Super, attrapons ce type avant qu'on Nihil. Ouais, pas de temps à perdre. Ouais, mais moi, déjà, attends. Ça, je peux pas interagir, mais ça, je peux. Et on est à 93. Et maintenant, 94. Et donc là, nouvelle dimension.
Voulez-vous rentrer dans le portail? Oui. Oh, il y a des Pokémon! Vas-y, je vais les voir. Wouah! Un brûlure froide! Wouah! Je le veux! Glace. Sa chaleur se serait frigorifiée au contact des cristaux dans ce monde. Les billes rouges lui permettent de réguler sa température et ne pas geler lui-même. Oh le délire! Oh le délire! Waouh! Lame thermique! Oh le Roserad! Ah merde, j'ai tué. Reviens s'il te plaît. Ah ouais, il y a plein de nouveaux Pokémon bizarres. Nice. Oh toi, tu dois être feu glace ou glace feu. Logique. Lame feuille. Ah. Lame sainte. Tu m'étais un spécialisé dans les lames. Pied brûle. God damn it. God damn. Je suis pas soigné. Tu peux tenir ou pas? Soigne-toi quand même. On n'est pas fou. Ah ouais, ils sont stylés les Poké là. Non mais attendez, je capture moi, je capture tout ce qu'il y a là. Ils ont du style. Mâchouille, mais ça tue pas. Alors attends, ça lame sainte, lame feuille, pied brûleur, reflet. Et c'est glace feu. Ah ouais. Oh mais le Arcanin là. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Soigne. Je vais faire la connerie. Soigne. J'ai 21 rappels. On fait pas le fou. Guérison, j'en ai encore pas mal. Un écorce calciné. Oh, stylé. Ah, mais ça meurt. Ça meurt. Ah oui, mais attends, mais là j'arrive. Non, moi je veux continuer à explorer là. Parce que là, moi je suis désolé. Hein. Là, il y a potentiellement un Léviator. Là, je dis oui.
Sachez pas c'est quoi, sachez pas c'est quoi, mais Non, il y a trois Pokémon là, attendez, non, 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 il est hors de question que je pars comme ça là. S'ils sont aussi incroyables, je les veux. Une force sombre, un Léviator noir! Wouah! Ténèbres, ok, stylé! Ah ouais, je dis oui là. Stylé le Léviator. Et je vais guérir. Ah merde. Ouais, ils sont pas faciles à capturer, hein. Il doit avoir un sacré niveau de puissance quand même. Il est quoi, lui? Il serait aux ténèbres? Aux ténèbres. Oh, ça a du prestige, ça. Oula. Oula. Nice. Juste ténèbres. Sa colère se caractérise par la noirceur de son crâne. Comme son habitat est composé de cristaux très résistants, il n'arrive pas à se défouler. D'accord. Mais attendez, il y a des zones effectivement à les fouiller là. On n'est pas allé par en bas. On va pas continuer dans cette direction. Mais il y a une maison là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non mais attends, l'arbre aussi là, je le veux. Non mais le Arcanin est juste trop beau déjà. Beaucoup trop. Non, je fais pas mal au Arcanin moi. Pareil, le Léviator, il est hyper stylé. On peut pas nager. Ah. C'est dommage. Hein. Une aura arcanique. Ouah, le Riolu du Turfu. C'est quoi ce Riolu avec une casquette? Riolu, qu'est-ce que je dis? Lucario. Vol magnétique? What? Attends, mais c'est fait quoi là? C'est un électrique ça? Quoi, combat électrique? Arcanique. Aura, c'est feu, combat plutôt. Arcanique, technologique électrique. Pas du tout, asepsie. Il a perdu ses yeux pour gagner un immense pouvoir télékinétique. Il est capable de ressentir l'aura et de chaque particule et de son habitat afin de se déplacer sans les heurter. D'accord. Pokémon a une mâchoire robuste qui augmente la puissance de ses coups à base de morsure. Mitra point. Normal. Attends, il y a l'arbre. J'ai pas revu l'arbre. Ah ouais, donc en fait, si je te fais ça, tu morphes ta race. Bah non. Bah alors. Bah attendez, à pire moi. Ah oui, d'accord, tu veux me sortir un mitra point. Allez, sois longue, hein.
Attends, il y a qui encore qu'on n'a pas vu là? Lui. Toi, on t'a vu, mais j'ai pas eu pu te capturer. Attends. Je ne pensais pas vous voir aussi vite. Je veux dire qu'une chose, l'un d'entre vous possède Corios ou créature dans son équipe, voire même les deux. Finalement, vous ne semblez vraiment pas être n'importe qui. Jamais avoir grandement sous-estimé. Il n'y a plus rien à parler d'importance ici. Ce monde est fabuleux. Les Pokémon qui y vivent sont tout bonnement incroyables. Semble avoir hérité de l'énergie de Nihil. Un peu comme Curios et créatures, sauf que semble avoir reçu bien plus d'énergie que les Pokémon vivants ici. Mais il reste quand même fort. Je dois vous faire une petite démonstration. À commencer par toi, Raiden. Je vais pouvoir me venger de l'effet que tu m'as fait subir dans l'autre monde. Bah si tu mets les Pokémon qui étaient ici, tu les as vus, hein? Ah bah oui, je les ai vus, les gars. Je sais que lui, il est type glace. Comment t'as fait pour avoir déjà un level 100? Faut m'expliquer là. Ou Arcanique, donc bah, il tape sur du psy, mais. Lame thermique, bah, glace, glace feu, normalement un point boost, pas mal. Maya, t'es plus rapide. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bah gris-gris, hein, gris-gris séisme. Hein. Voilà. Hein. Corse calciné, bah on sait qu'il est feu. D'accord. Force sombre, bah on sait qu'il est ténèbres. Oh, Grigri qui est vite. Ça fait plaisir, ça. Coup critique? Ça, c'est mon Grigri. Et le dernier qu'on n'a pas vu. Père n'est pas une option, ma nouvelle force est invincible. Élite. Oh, c'est. Je sais pas quoi. Attends, je soigne. C'est quoi ça? C'est. Électrique? Roche? Oh, c'est mort surtout. Impossible! Mais que fait Nihil, bon sang? Il est fini, Dante. Nihil ne semble pas venir à ton appel. Il est sûrement qu'une légende inventée pour donner une origine à Corios et à ses créatures. Ne m'approchez pas, Nihil va arriver, j'en suis sûr. J'aurais passé pas 5 années de ma vie à couvrir un portail pour rien. Alors le voici, Nihil! Excellent!
Pas de temps à perdre. Master Ball, go! Que... Impossible! La Master Ball captura 100% un Pokémon sauvage. Pourquoi a-t-elle échoué? C'est quoi ça? Alors ce gadget dont vous vous servez pour capturer ce que vous appelez les Pokémon, pitoyable être vivant sans pouvoir, si faible pour vous deux sentiments. Si vos amis se retournaient contre vous, que feriez-vous? Vos gadgets ne suffiraient pas à les emprisonner. Mais si un, en plus l'un d'entre eux était un dieu. Je vais vous faire une démonstration, de vulgaires êtres humains ne peuvent rien faire sur cette terre. Non, Neil, écoute-moi. Tu dois m'aider à me venger de ce monde infâme qui a tout pris de quoi je tenais. Moi, l'esclave emprisonné dans un gadget au service d'un être plus faible que moi. Tu penses réellement que je vais accéder à ta requête d'être inférieur? Je n'ai aucun lien avec ton espèce, alors encore moins avec ta piètre personne. Je suis un être supérieur, autant qu'aux humains qu'à vos pitoyables Pokémon. Comme vous n'avez pas l'air de vouloir déguerpir, je vais le faire moi-même. Non, arrête! On ne te laissera pas faire. On t'arrêtera quoi qu'il en coûte. Putain, ils vont crever. Vous semblez différent des humains que j'ai pu croiser jusqu'à présent. Je ressens de l'énergie du Koryosh chez l'un d'entre vous. Peut-être que c'est celui-là même qui vous a... Ou même celui-là que vous appelez créature. Je n'imaginais pas ressentir leur énergie une nouvelle fois. Je pensais que vivant dehors de leur monde ne se les ferait pas survivre très longtemps. Ces imbéciles ont tenté de renverser mon pouvoir alors que je partageais mon énergie avec eux. Ce fait, comme ils semblaient avoir de l'énergie à dépenser, je les ai envoyés dans un monde où les êtres vivants étaient sans intérêt. Et même s'ils semblent être cet adepté à leur nouveau monde, il reste des années-lumière de ma puissance réelle. Comme vous avez l'air de vouloir vous défendre, je vous autorise à venir vous unir à trois contre moi. De toute façon, votre union ne fera pas même de me fatiguer. Bon, on fera ça la prochaine fois? Hein? C'est pas mal? Ouais. Ah, quel énorme connard je suis. Mais ouais, on va vraiment s'arrêter ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez les bails. Le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas bien sûr d'activer la petite cloche, ça aide énormément la chaîne. Et si vous êtes au courant de l'actualité, c'est très simple. Il suffit de checker la description pour trouver le lien du Discord et du Twitter de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine. C'était Réseau pour servir, à vous studio. Ciao.